Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance ordinaire de la MRC pour le mois d'octobre. Donc, la séance est ouverte. On a le quorum. Il nous manque trois personnes ce soir qui ont toutes et tous motivé leur absence. Donc, on sera à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour en point 2. On va vous demander de retirer le point 13.2 de l'ordre du jour. Donc, si on est prêt, ça me prendrait quelqu'un pour proposer Sylvain Dupuis et Michel Péloquin. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est adopté. On passe au point 3, dépôt des procès-verbaux et adoption. 3.1, c'est la séance ordinaire du Conseil du 11 septembre qui en fait le dépôt ou l'adoption, en fait. Alain Chapdelaine et Patrick Péloquin. Ensuite, c'est la réunion du Comité de sécurité publique du 26 juin qui en fait la proposition. Michel Péloquin. Et c'est appuyé de Denis Benoît. C'est bon. La réunion du comité régional agricole du 23 août, c'est un dépôt. Qui fait le dépôt? Je déposerai. Richard Potvin. Et c'est appuyé de? Gilles Salva. C'est bon. Parfait. Ensuite, un autre dépôt, c'est la réunion du comité régional de sécurité incendie civil qui a eu lieu le 4 septembre. Qui en fait le dépôt? Sylvain Dupuis et Gilles Salva. Ça termine les dépôts et les adoptions de procès-verbaux. On passe maintenant au paiement des dépenses en point 4. Donc, pour ce mois-ci, on a pour 1 464 662,60 $ pour le paiement des dépenses. Donc, qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine le propose et appuyé de Patrick Péloquin. C'est bon. On serait au point 5 maintenant. Rapport mensuel des conseillères régionales et conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mon nous dire. Oui, ben, enfin, jeudi dernier, le premier, il y avait rencontre virtuelle du RAM, là, qui est le regroupement des acteurs municipaux de l'eau. Alors, on a échangé un peu sur les projets régionaux liés, évidemment, toujours à la rivière Yamaska. Entre autres, le programme Oasis sur lequel la MRC est participante. Et le soir, il y avait la table de concertation de l'OBV. Où on a commencé à réfléchir un peu plus sur le plan de développement de le PDE de l'OBV et la suite des choses. Évidemment, on sortait de l'été, là, il y avait une remise en... Il fallait se remettre les pieds dedans, là, mais je pense que c'est très différent de ce que j'ai connu à mon arrivée, après avoir pris le relais de Michel Péloquin, où c'était vraiment un nid de guêpe. Là, ça, je pense que ça va assez bien. Ça va bien. Tant mieux. C'est ton arrivée qui a fait la différence. Hein? Non, je... il y a bien des gens qui ont quitté, mettons. Là, il y a eu un sérieux brassage. Là. Merci beaucoup, Richard. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Moi, j'en profiterai pour dire qu'il y a deux semaines, on était plusieurs maires mairesses qui étaient au congrès de la FQM. Puis, pendant le congrès de la FQM, notre doyen Gilles a été souligné pour ses 35 ans. De vie politique, donc je voulais en profiter pour te féliciter puis te remercier de ton engagement, Gilles, que ce soit chez vous, que ce soit à la MRC, puis ça a été souligné au congrès de la FQM, donc toutes nos félicitations à toi, Gilles, pour ces 35 ans de carrière politique. Merci. Je vais essayer de le rejoindre, mais j'aurai 95 ans. Je voulais prendre le temps de le souligner, c'est tout, il n'y a pas d'autres interventions. C'est bon. Ça termine le point 5. On passe au point 6 en aménagement du territoire. 6.1, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux. 6.1.1, municipalité de Saint-David. Oui. Alors, la ville de Saint-David a adopté le règlement numéro 550-2012-09 de la, qui vient modifier le règlement de zonage numéro 550-2012 concernant la construction d'habitations sur certains terrains vacants de la zone agricole ainsi que l'installation d'éoliennes. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire confirme que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. C'est bien. Qui en fait la proposition? Il va le proposer. Monsieur Denis Benoît et Sylvain Dupuis appuient. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon, parfait. On passe au suivant, 6.1.2. La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu.
Alors, la ville de Saint-Roch-de-Richelieu a aussi adopté un règlement, celui du numéro 550-2012-09, qui modifie le règlement de zonage numéro 460-2024 de cette même municipalité, qui vient modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant la largeur des accès résidentiels et le montant des amendes. Donc, la coordonnatrice nous confirme que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de l'approuver. C'est bien. Qui en fait la proposition? Gilles Salva et Marie Léveillé. C'est bien pour tout le monde. On passe maintenant à l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme. Maintenant, pour la ville de Sorel-Tracy, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 règlements. Oui, alors la ville de Sorel-Tracy a adopté les règlements 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 et 2598, pardon, qui viennent modifier respectivement les règlements de zonage numéro 2222 et de lotissement numéro 2223, le règlement numéro 2226 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire confirme que ces règlements ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous demande de tous les approuver. C'est bien, merci. Monsieur Richard Potvin propose et s'est appuyé de Michel Péloquin. C'est bien. Maintenant, au point 6.2, la création de la commission de consultation dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Donc, une première étape qui est en train de se conclure avec la création de la commission de consultation. Donc, on demandait d'avoir 5 élus. Donc, c'est les propositions Patrick Péloquin, Sylvain Dupuis, Richard Potvin, Gilles Salva et moi-même qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine et appuyé de Denis Benoît. C'est bien pour tout le monde? Oui, parfait. Point 7, en comptabilité, au 7.1, c'est des attributions d'aide financière. Donc, on en a 2 à traiter ce soir. Oui. 2 demandes d'aide financière. Une première pour l'Association de la déficience intellectuelle, la région de Sorel pour son souper bénéfice. Donc, suite aux discussions qu'on a eues, c'est un montant de 500 $ qui est proposé pour l'ADIR. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé et Patrick Péloquin. Et ensuite, on a la municipalité de Saint-David pour le marché de Noël. C'est un montant de 2000 $ C'est dans son enveloppe municipale pour les événements locaux. Donc, qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis et Gilles Salva. Donc, ça conclut pour les attributions d'aide financière. Au point 7.2, c'est le mandat à la firme de comptable agréée Étier Kane Saint-Germain concernant le retrait du réseau cyclable de la Sauvagine du périmètre comptable de la MRC. Est-ce qu'on avait des informations supplémentaires? Non, on est vraiment correct là-dessus parce que c'était juste de confirmer le mandat d'accompagnement qui était déjà octroyé à la firme Étier Kane et Saint-Germain dans le cadre des négociations auprès des auditeurs externes pour le retrait de réseau cyclable de la Sauvagine du périmètre comptable de la MRC. Donc, c'est toujours de ratifier la résolution qu'on avait dans ce sens. C'est bien. Qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé de Alain Chapdelaine. Au point 8, en développement culturel, la nomination d'un nouveau membre au comité régional culturel. Et la proposition pour le nouveau membre, c'est M. Michel Jacques, qui occuperait le poste de Mme Odette Langlois. Donc, qui en fait la proposition? On va le proposer. C'est Denis Benoît et Marie Léveillé. Donc, c'est sous la recommandation du comité régional culturel. Et j'en profite pour remercier Mme Langlois, Odette Langlois, pour ses années d'engagement au sein du comité régional culturel. Au point 8.2, l'autorisation de déposer une demande d'aide financière à Loisirs Sports Montérégie dans le cadre du Fonds pour une jeunesse culturelle. Oui, alors la coordonnatrice au développement culturel concernant le dépôt d'une demande de subvention à Loisirs et Sports Montérégie
Toujours dans le cadre du fonds pour une jeunesse culturelle, nous a soumis cette demande donc pour cette collaboration avec un ou une artiste de la région. Donc, en tenant compte du fait que le soutien financier demandé couvre le montant total du projet, qu'un engagement financier de la MRC ne sera requis, il est proposé au conseil de la MRC d'autoriser le dépôt du projet d'œuvre collective et à loisirs et sport Montérégie dans le cadre du fonds pour une jeunesse culturelle en vue de l'option d'une subvention maximale de 5 000. C'est bien. Qui en fait la proposition? Pardon. Gilles Salva et appuyé de? Je seconderai. Richard Potvin. Merci. C'est bien pour tout le monde? Oui. Parfait. 9 en développement de la zone agricole au 9.1, l'appui au projet de l'UPA. La Montérégie est intitulée « Action concertée en agro-environnement sur le territoire de la MRC ». Oui, alors l'UPA de la Montérégie, en collaboration avec la MRC de Pierre de Sorel et ses partenaires, a réalisé depuis les dernières années un projet portant sur les pratiques agroalimentaires, agro-environnementales, dans le but, entre autres, d'améliorer la qualité des cours d'eau et des bandes riveraines du secteur de Pot-au-Beurre exclusivement. Donc, ce projet va permettre de répondre aux orientations spécifiques à la fois du plan de développement de la zone agricole, donc le PDZA, et des éléments pressentis du futur plan régional des milieux naturels. Donc, il est recommandé à la MRC donc, d'appuyer ce projet pour la mise en contribution de l'expertise de la MRC et de contribuer financièrement au projet pour un montant maximal de 15 000 issu du projet de mise en œuvre du PDZA. C'est bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et appuyé de Gilles Salva. C'est bon? Parfait. On passe à l'environnement maintenant, au point 10.1, l'appui au projet collectif, de ce que Richard nous parlait tout à l'heure, la planification intégrée d'infrastructures vertes pour la résilience de 5 MRC du bassin versant de la Yamaska dans le cadre du programme OASIS. Alors, c'est vraiment une demande d'appui au projet collectif planification intégrée d'infrastructures vertes pour la résilience au niveau de MRC du bassin versant de Yamaska, donc toujours déposé dans le cadre du projet OASIS. Il nous est recommandé d'appuyer le projet collectif planification intégrée d'infrastructures et d'autoriser la MRC d'autoriser la MRC d'Acton à déposer au nom de la MRC de Pierre de Sorel le projet au programme OASIS du MELCCFP. C'est bien. Qui en fait la proposition? Richard Potvin. Et c'est appuyé. Gilles Salva. 10.2, l'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création d'une aire protégée dans la MRC de Pierre de Sorel. Alors, compte tenu du fait que la MRC compte sur son territoire la baie de la Vallière, grande d'à peu près 21 km², et de pouvoir s'aligner à ce que le gouvernement du Québec aussi a annoncé dans son lancement d'appel de projet auprès du grand public pour la création d'aires protégées en territoire public méridional. Il est proposé à la MRC d'appuyer l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition d'aires protégées de la baie de la Vallière et la soumettre à un exercice de concertation régionale. C'est bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin. Et appuyé d'Alain Chapdelaine. Est-ce qu'on a des détails, plus de détails là-dessus? Si on a plus de détails, j'aimerais ça qu'on me fasse suivre les informations. Oui. Vous voulez que je complète l'information? Pardon? La documentation. La documentation, parfait. Ouais. Au point 10.3, c'est le dépôt d'un mémoire au ministère de l'Environnement sur la modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables et l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Donc, c'est un dépôt qu'on fait ce soir. Est-ce qu'on a besoin d'un proposant, d'un appuyant pour le dépôt? Plaît. Oui, Patrick Péloquin et appuyé de Richard Potvin. Au point 11 maintenant, la demande de révision des coûts concernant les bouées de positionnement sur la rivière Yamaska. Donc, tout ce qu'on vient faire ce soir, c'est de confirmer qu'on a reçu
la demande de la municipalité de Yamaska, puis qu'on l'envoie vers le comité de suivi budgétaire en vue de l'élaboration du budget 2025. Donc, la municipalité de Yamaska doit envoyer une demande de révision. Elle le fait dans les temps, puis nous, on va la relayer au comité de suivi budgétaire. Donc, c'est juste pour confirmer qu'on l'a bien reçu. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Marie Léveillé, et s'est appuyée de Michel Péloquin. Au point 12, 12.1, FRR, volet 2, approbation de projet. On a un projet ce soir, c'est panneau numérique à la municipalité de Saint-Robert qui en fait la proposition. Je vous le proposerai. Richard Potvin et appuyé de Denis Benoît. Maintenant, 12.2, FRR, volet 3, c'est la prise de décision concernant le projet Signature Innovation Marketing Territorial concernant le contrat de Valtec qui est en train de faire notre solution web. Donc, c'est pour autoriser un montant supplémentaire, une enveloppe financière supplémentaire maximale de 50 000 $ pour terminer le projet avec la firme Valtec qui en fait la proposition. Patrick Péloquin est appuyé de Alain Chapdelaine. Oui, moi, j'aimerais voter contre ça. Juste voter contre. Tu demandes le vote? Ben oui. Oui. Ouais. Donc, le vote est demandé. Ceux qui sont en faveur de la proposition, qui est en faveur, qui est contre la proposition. Donc, on a deux contre et trois contre. Et un, deux, trois, quatre, cinq en faveur. C'est bien ça. Donc, la proposition est adoptée à la majorité. Au point 13, gestion contractuelle 13.1, l'octroi du contrat d'entretien de cours d'eau, projet C2201 et C2204. Oui, donc suite à l'appel d'offres en vue de l'octroi du contrat d'entretien de nettoyage des cours d'eau, le C2201 et le C2204, il est demandé au Conseil de la MRC d'octroyer à Béton Laurier Inc. le contrat relatif aux travaux d'entretien des cours d'eau pour ces dossiers-là au coût de $560,923.95, taxes incluses, conformément à la négociation qui a eu lieu, et de reconnaître la présente résolution et le document d'appel relatif à ces travaux comme faisant partie intégrante du tout. Bien. Qui en fait la proposition? Je propose. Richard Potvin et Sylvain Dupuis. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est adopté. 14, gestion des cours d'eau. 14.1, l'adoption de l'acte de répartition relatif à l'entretien de la branche 4 de la première pote au beurre. Dossier C2404. Donc, qui en fait la proposition? Propose. Marie Léveillé et appuyée par Patrick Péloquin. Au point 15, projet spéciaux, c'est l'adoption du calendrier 2025 des séances du Conseil, c'est bien ça, 15.1. Donc, vous avez reçu l'ensemble des dates là, pour l'année 2025. Ça vous a été présenté. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et appuyé de Richard Potvin. Au point 15.2, c'est l'autorisation concernant le dépôt de documents à la Société historique Pierre de Sorel afin de créer un fonds d'archives au nom de la MRC de Pierre de Sorel. Patrick Péloquin en fait la proposition et qui appuie? Michel Péloquin appuie. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 16, en ressources humaines 16.1, c'est le renouvellement du mandat à la firme Impact Partenaire d'affaires concernant l'accompagnement lié aux différentes dotations. Donc, c'est pour le renouvellement de la résolution 2024-05-146 qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine le propose et s'est appuyé de Marie Léveillé. C'est bien? Oui, c'est adopté. Au point 17, maintenant, transport 17.1, c'est l'adoption du rapport final des pertes de recettes tarifaires et d'achalandage 2023 par rapport à l'année 2019 dans le cadre de l'aide ponctuelle annoncée au budget 23-24 pour soutenir la relance du transport collectif en 2023.
Donc, c'est d'adopter le rapport. Là, l'ensemble des sociétés de transport au Québec avaient reçu des aides financières pendant la pandémie. Donc, c'était l'heure de la reddition de compte. Donc, on adopte la reddition de compte ce soir. Qui en fait la proposition? Je propose. Richard Potvin. Et c'est appuyé de? Je vais l'appuyer. Denis Benoît. Au 18, examen de la correspondance, vous l'avez reçu, c'était bon pour tout le monde, donc c'est déposé. L'examen des invitations, aussi vous l'aviez reçu. On passe aux affaires nouvelles. 20, l'autorisation de signature du protocole d'entente pour l'entretien de la piste cyclable régionale. Alors, oui, la MRC désire officialiser la gestion régulière des opérations et de l'entretien du réseau cyclable régional pour la conclusion d'un protocole d'entente pour l'entretien de cette piste cyclable. Alors, il est recommandé au conseil de la MRC d'approuver ce protocole d'entente pour l'entretien de la piste cyclable régionale tel que soumis et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer le dit protocole pour et au nom de la MRC. Parfait. Donc, c'est pour la piste cyclable régionale qui en fait la proposition. Patrick Péloquin et s'est appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. Au 20.2, nomination d'un second substitut du procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de la ville de Sorel-Tracy. Oui, il est recommandé au conseil de la MRC de donner mandat à maître Guillaume Gagnon, Ploudre, pour représenter la MRC à titre de second procureur substitut de la poursuite devant la Cour municipale commune de la ville de Sorel-Tracy, et ce, demande toute procédure judiciaire en matière civile en vertu de l'article 28 de la loi sur les cours municipales et principalement à la Cour municipale commune de la ville de Sorel-Tracy, et ce, conformément au moins au contrat de service professionnel octroyé au cabinet Pierre-Hugues Miller Avocat Inc., qui est notre procureur principal. Principal. Donc, qui en fait, Sylvain, c'est pour en faire la proposition, qui appuie? J'appuierai. Richard Potvin appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ça termine les affaires nouvelles. 21, on n'a pas de questions, personne n'est dans la salle. Au point 22, levée de la séance, qui propose la levée de la séance? Alain Chapdelaine et s'est appuyé de Sylvain Dupuis. Donc, la séance est levée. Merci. Bonne soirée.